Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma night routine spéciale automne. Oui, on n'est pas encore en automne, mais j'aime tellement l'automne que j'ai décidé qu'on était déjà en automne. Voilà. Bon, comme toutes mes night routines, je commence par un café qui a l'air pas bon, mais qui est quand même bon, et que je mets dans une tasse Starbucks pour faire genre ma youtubeuse, alors que nenni, c'est du café premier prix de Carrefour. Ensuite, je vais travailler, d'autant plus que maintenant mes cours sont en Zoom, donc je ne vais pas vraiment en cours. Voilà, c'est génial, j'adore. Non, en vrai, j'arrive quand même bien à travailler en Zoom. Enfin, j'ai un peu du mal à me remettre au travail, mais pendant le confinement, j'avais pas trop de problèmes pour travailler. Et en ce moment, j'ai vraiment du mal à travailler. J'arrive pas à me mettre dans la tête que la rentrée est déjà passée et que nous ne sommes plus en vacances. Ensuite, je vais me préparer à manger parce que c'est extrêmement important de manger. Et je fais une sorte de mixture chelou avec tous les restes que j'ai. Ne vous inquiétez pas, bientôt, il y a une vidéo qui arrive avec des très bonnes recettes que j'ai faites avec mes potes. Mais quand je suis toute seule chez moi, c'est vrai que je me casse pas la tête. Donc là, j'avais mis du riz, des carottes et la pâte des wraps pour agrémenter un peu le tout. Mais c'était pas incroyable. J'ai vu la peur apparaître dans les yeux des gens normaux. Je serais jamais compris et je l'ai compris quand j'étais encore qu'un môme. Ce jour-là ne me rappelle. Et puis ensuite, bien sûr, je vais manger, alors soit devant une série, soit devant des vidéos YouTube, même si je regarde beaucoup moins de vidéos qu'avant. Et bien évidemment, comme tous les jours de ma misérable existence, on m'appelle pour un traquenard. Je n'ai pas de volonté. Où je n'ai pas du tout resté dormir chez moi comme j'avais prévu. Bon, alors comme vous l'aurez peut-être compris, en ce moment je passe très 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 peu de soirées toute seule chez moi, donc voici une petite compilation des soirées que je peux faire. C'est ce que l'on appelle un traquenard. Yes, c'est parti. Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés, le regard éteint, des visages pâles, des dingueries. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Même si c'est plutôt rare, ça peut arriver que je reste chez moi toute seule et je voulais aussi vous montrer cette option. Donc évidemment, qui dit toute seule chez moi, c'est tâche ménagère, donc je vais essayer de faire ma vaisselle. Et comme vous pouvez le voir, ça s'était un petit peu accumulé, même toute seule ça va vite. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis aussi réinscrite à la salle et donc j'essaie de me motiver. J'aime beaucoup le sport, mais c'est vrai que là, depuis le début de l'été, c'était un peu parti en cacahuète, moi et le sport, donc je m'y remets. Ensuite, évidemment, une bonne douche. J'utilise un produit pour éclaircir mes cheveux. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, il marche trop trop bien pour moi. Mais si vous voulez l'acheter, bah, testez-le un peu avant parce que ça peut vous rendre roux. Ainsi qu'un masque pour les cheveux. Donc quand je reste chez moi, la plupart du temps, je chill un peu. Soit je vais regarder une petite série, soit je vais lire un livre, soit va dépendre, voilà. Je peux aussi faire parfois du montage parce que dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de m'avancer sur le montage. Qui dit l'arrivée de l'automne dit Harry Potter et je pense que vous le savez très bien. Donc je m'y remets, évidemment c'est ma routine de tous les ans, je ne vais pas la changer. Et voilà, vers 23h minuit, je vais essayer d'aller dormir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'est ma routine, même si elle change tous les jours, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez hâte d'être en automne. J'ai trop hâte de vous faire des vidéos sur ce thème-là, parce que j'aime tellement ce mood. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Instagram. Bisous les copains!